Bon Fred, reprise du championnat ce week-end, comment ça s'est passé la préparation? On a une préparation plutôt longue, on a fait 6 semaines cette année. On a décidé de donner beaucoup de temps dans la préparation par rapport à un jeune effectif. Donc c'était agréable, maintenant on est aussi content de trouver la compétition. Voilà, même s'il y a des choses certainement qui vont être encore à travailler sur le départ, mais c'est un groupe qui est attentif, qui travaille, c'est agréable, voilà. Bon, déplacement à Toulon pour commencer le championnat, puis réception de Monaco. Comment tu abordes ce début de championnat? Disons qu'on y va dans le côté formateur. Voilà, on a un discours avec Monsieur De Tadeo aujourd'hui qui va dans ce sens-là. Donc on est jeune dans chaque catégorie. On va être dans la difficulté, mais c'est dans cette difficulté aussi qu'on va sortir les individus et on va gagner du temps. Donc on y va pour travailler sans chercher forcément à se dire est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. L'essentiel, c'est le contenu. Et dans le contenu, quand il va commencer à être bon, forcément, on va prendre des points. Comme tu dis, la préparation a été longue. Hâte de commencer quand même le championnat? Oui, toujours, parce que les matchs amicaux, c'est une chose, mais après la compétition, c'est quand même quelque chose où on découvre les joueurs dans un autre domaine. Et puis ce championnat U19 national, c'est vrai qu'il est quand même très relevé, donc on va pouvoir se jauger par rapport à la qualité de nos joueurs individuellement et collectivement, bien sûr. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHSC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Siguem o canal do MHSC no YouTube.